Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 11 de la saison 1 des Dés sont jetés. Comme toujours, merci pour votre soutien, vos likes et commentaires, sachez que j'adore y répondre. Pensez également à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour retrouver toute notre actualité, des battle maps et tout un tas de choses. @desjetés sur Twitter et @goldydesjetés sur Instagram. Nos 4 héros se sont aventurés de jour dans le tunnel qui relie l'entrepôt et la maison de Modric, ce afin de creuser un peu plus dans les affaires des colporteurs. Ils ont pillé son coffre, ont ramassé un pactole plus que substantiel, ainsi qu'un livre de comptes. Après avoir repéré les noms de différents marchands concernés par les affaires des colporteurs, le groupe est ressorti du tunnel en faisant preuve d'une discrétion toute relative. Vous êtes revenu auprès de la petite place là qu'il y a juste avant le pont, où donne justement l'hydromellerie, entre autres. Qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on se casse, en vrai de vrai. Se casser, d'accord. Mais il faudrait qu'on aille dans un établissement peut-être déjà où on se casse de la ville complètement, où on va au moins dormir une nuit dans un établissement qui serait peut-être pas contrôlé par Modric, genre pas de ceux qu'on a vus. Le bourdon cogneur, je me rappelle plus, il était possédé. Vous avez rien je vu crois pas là-dessus. Non. L'adepte recalé, oui, mais pas le bourdon cognat. Ouais, c'était ça, l'adepte recalé était possédé. Alors, parce qu'il faudrait quand même qu'on arrive à étudier vite fait quand même le bouquin qu'on vient de chourer. Et moi, je serais d'avis, mais c'est vous qui, on va en discuter, mais je serais d'avis de le mettre dans les mains, selon ce qu'on va trouver dedans, de la reine des abeilles, qui justement lutte contre les colporteurs, parce que je commence à me demander si c'est pas eux qui ont un peu raison justement de combattre le système pourri qui a l'air d'être en place avec Modric. Surtout qu'on a le mot de passe pour rentrer chez les... Oui, vous avez le mot de passe, effectivement. Pour information, le temps que vous fassiez tout ça, il s'est écoulé une heure et demie, deux heures, à peu près. Ce qui fait que vous êtes d'après-midi. D'accord. Milieu d'après-midi, maintenant. Alors, puisqu'on en discute, je me dis qu'effectivement, les abeilles de Jorica sont peut-être pas si sales que ça, même si je pense que Miklos, par exemple, si on parle de lui, a été au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire. Le truc est que on peut pas non plus se permettre d'être persona non grata ici, sinon si on doit effectivement se barrer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on couvre nos traces, à la fois par rapport à Miklos, qu'on lui dise « bon bah, pas trouver la griffe, oh, pas de bol, comme j'avais dit, c'est mort ». Et qu'on voit aussi avec Angus Varro, si, que je lui laisse au moins une excuse pour le départ. Donc effectivement, ça complique un peu le fait de partir précipitamment. Parce que si on se casse sans aucune explication, ma réputation et donc la nôtre en prend un gros coup quand même, parce que je suis censé avoir des missions en cours. Si je me barre sans rien dire, effectivement, c'est gênant. Et puis on peut pas non plus se permettre de juste dire « bon, bah Ignazis, on n'y retournera plus ». Donc ouais, non, effectivement, on peut pas se permettre de se barrer comme ça. Même si c'est quand même tentant. Donc effectivement, je pense que t'as raison. Faut qu'on trouve un endroit où on s'isole tranquillement et de façon relativement sécurisée pour voir ce qu'il y a dans le livre. Et puis on avise de ce qu'on fait après. On peut peut-être aller sur la terrasse des nains, là. Tes potes forgerons, là, ils ont une terrasse où ils servent. On peut. Après, il aurait vraiment fallu, je pense, plus vraiment une chambre, un truc isolé, quoi. Alors, je me rappelle pas, eux, c'était juste des forgerons, donc ils m'avaient donné un coup à boire, mais c'était pas leur activité, quoi. Ils ont pas. Ils avaient genre. Ils ont une brasserie aussi, mais en dehors de la ville. Ah, en dehors de la ville. Et du coup, ça fait. Enfin, ils ont une terrasse qui fait bar aussi au niveau de leur forge. Ouais, ça, on peut ça, peut-être mais... du coup gentiment leur privatiser cette petite terrasse en leur glissant un petit caillou. Faut quand même qu'on essaie d'être discret au maximum, d'étudier un bouquin en terrasse, de la faire privatiser.
Ça me paraît moyennement discret. Surtout qu'il faut pas qu'on la joue niveau riche. Bah, ils diront que c'est complet s'il y a des gens qui veulent venir. En terrasse, ouais, voilà. On voit pas si c'est vraiment vide ou pas. Alors, à côté de vous, vous avez deux paysans qui causent. Ils disent « Ah, on a enfin trouvé quelqu'un pour s'occuper du problème des loups dans la forêt. » Enfin, les problèmes des chiens dans la forêt. Ah ouais, qui ça? Un espèce de chevalier là, qui se balade de ville en ville. Bon, il y en a qui disent que c'est un pochetron, mais au moins, en tout cas, il a dit qu'il nous aiderait. C'est pas celui qu'on avait vu au bourdon cogneur? Oui, c'est ça, Landbolt. Landbolt. J'ai oublié ça. Landbolt. Landbolt. Ah oui, oui, oui. On en parlait tout à l'heure. Je sais plus où il est marqué, mais je l'ai sûrement une de mes petites feuilles. Du coup, voilà, vous avez entendu parler donc de du chevalier qui aiderait les paysans à combattre les chiens sauvages dans la forêt. Quel fichier. Okay. Donc bon, on sait qui fait son taf entre guillemets dans le coin. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait? J'aurais tendance à dire qu'on a d'autres priorités que le chevalier Landbolt actuellement. Oh. Bah surtout qu'au final on connaît pas grand chose de lui, on sait pas s'il est impliqué dans quelque affaire politique ou qui suit. D'ailleurs, ce qui me fait penser que les nains là sont impliqués avec les colporteurs pour le coup. Donc aller les voir, c'est peut-être pas la meilleure idée. Pardon. Oui, ils avaient. Ah, c'est ça. Ils ont vendu sous la contrainte. Il voulait peut-être pas. Ouais, mais en fait, faut pas qu'on se montre à qui que ce soit, parce que admettons qu'on en parle avec eux, et que derrière, les colporteurs leur tombent sur l'orable, un petit coup de torture ou juste de persuasion avec suffisamment d'argent ou quelconque, et puis les infos retombent. Si on veut être... Parce que là, a priori, rien ne peut nous relier au vol. Si on veut vraiment être discret, la meilleure chose à faire, c'est juste de faire profil bas. Je rappelle que vous cherchez un endroit où personne n'ira pour consulter le livre. Et oui, que oui, pour l'instant, vous parlez de tout ça au milieu de la petite place qui est juste devant le pont. On fait ça en marchant, hein. On bouge, on reste pas statique parce que c'est beaucoup trop suspect. Je propose qu'on commence à se diriger vers quand même la taverne des deux nains, leur forge. C'est pas une taverne. Et éventuellement, mais sans leur en dire plus que ça, et leur dire qu'on est intéressé pour aller à leur établissement là qui est en dehors de la ville. Ou juste on sort de la ville et on se pose à l'extérieur. Oui, hein. Mais parce que je sais pas où il est, moi c'est leur établissement. C'est la brasserie qui est à l'extérieur. Oui, mais on n'y va pas. La taverne. T'as pas besoin d'aller spécifiquement à une brasserie pour aller en dehors de la ville. Voilà, enfin, si on veut être moi, tout seul. Vous voyez, pourquoi ne pas associer l'utile à l'agréable? Promis, dès qu'on a réglé cette affaire et qu'on peut faire profit bas, je te paye autant de pintes que tu veux, il n'y a pas de problème. Avec le pot commun, oui? Non? Avec le pot commun, évidemment. Oh. Tu sais comment Mamadou est, Kratel. Eh ouais. Mais il te les paye avec ton propre argent, non mais... Bah c'est pas grave. C'est l'intention. De la bière, en tout cas. Donc, oui, où partez-vous, voilà. Du coup? Moi, je vois qu'il y a une petite forêt sur la carte au sud, là. Est-ce qu'on peut pas aller se cacher dans la forêt? Alors, faire ça. Non, il y a une forêt... Personne n'aura l'idée d'aller se cacher dans la forêt. Allez. On peut aller pour explorer, déjà, ça peut être... savoir ce que c'est, ce truc. Ok. Du coup, on va tomber sur Landbolt, ça va être terrible. Vous prenez la direction du sud. Non, Landbolt, c'est donc au niveau des villages à l'est plutôt que les chiens sauvages. Ah oui, Ça me paraît une super option. Alors, la forêt au sud. Allez. Okay. Vous prenez donc la sortie sud et rapidement, entre deux maisons, vous obliquez vers l'ouest en direction de la forêt. Vous entrez dans cette forêt, elle n'est pas très très grande. Il y a une petite ferme qui est juste à côté de cette forêt. Il fait quel temps aujourd'hui? Il fait plutôt... C'est un peu couvert, mais il fait quand même assez chaud. Et... Histoire qu'on n'aille pas trop dans la gadoue quand même. Et non, mais c'est l'été de toute façon, donc le terrain est sec. Hein. Et vous entendez le son peut-être de personnes qui sont soit en train de chasser, soit de cueillir des champignons. Vous savez pas exactement, mais ils ont l'air d'être assez loin. Bah, on trouve une petite clairière ou quoi que ce soit, puis on se pose et puis on voit, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, en mode pique-nique, genre. Allez. D'accord. Très bien. Vous trouvez ça sans trop de soucis. Ouvrons le livre. Donc, vous êtes en forêt, vous avez ouvert ce livre, et vous y voyez, en fait, des lignes de noms auxquelles sont associés des chiffres qui sont donnés à côté. Et donc, il s'agit bel et bien d'une sorte de livre de contes, comme l'avait suggéré Kratel, mais ça semble correspondre en fait aux lignes des personnes qui cèdent leur propriété et donc aux sommes qui ont été versées
En échange de ses propriétés, Kratel, tu t'aperçois que pour certaines de ses propriétés, le prix est très nettement inférieur à ce que vous auriez pu estimer pour le prix d'un fonds de commerce, pour la valeur d'un fonds de commerce. Est-ce qu'il y a des commentaires en plus, je sais pas, des choses qui seraient marquées en plus pour détailler un peu la transaction ? Vous regardez effectivement là-dedans, vous trouvez certains commentaires du genre n'est pas très collaboratif, il va falloir lui envoyer quelques négociateurs, des choses comme ça. Voilà. Avec des guillemets. Et notamment sur la ligne, il y a une ligne qui est réservée aux deux nains, qui dit que ce sont de fortes têtes qui refusent de signer et qui refusent de céder leur affaire. Ça m'étonne pas. Et qu'il va falloir s'en occuper très prochainement. Oh putain. Bon, eh ben on va retourner les prévenir. Non, je vais va falloir faire ça avec des pincettes, mais il faut au moins leur mettre une note anonyme ou un truc comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que se montrer en direct, c'est pas une bonne idée. Fly. Voilà, au moins leur laisser un message. Attention, vous êtes sous la menace. Ils doivent le savoir. Y aller en mode discret, du genre, elle est bien belle quand même, votre forgerie et tout ça. Moi, j'aimerais bien en avoir une un jour. Je pense que vos enfants seront fiers d'avoir un tel fils et tout pour eux, machin. En mode, ils auront quelque chose à léguer, mais ils diront, ah bah non, en fait, on vient de la vendre peut-être. Ah, ouais. Genre, qu'ils commencent à parler du fait qu'ils se font menacer par Modric pour essayer de la céder. Ouais. Oui, pour pas l'amener directement nous-mêmes. Ouais. Mais bon, après, je sais pas trop comment on pourrait évoluer après ça. Parce qu'on va juste leur dire, bah faites gaffe, mais on peut pas leur dire, on a des preuves qui vont vous buter. Non, moi, je sais pas. Ça peut être ça, puis ça peut être aussi une note anonyme ou quelque chose pour les prévenir. Ah, ça me ferait mal s'ils se faisaient liquider. Est-ce qu'il y a une date devant cette note ? Alors, il y a effectivement des dates devant les chiffres, en fait, pour quand ils ont versé l'argent, tout ça. Enfin, cette dernière note, elle a l'air de remonter à il y a quelques jours. Donc c'est quand même assez récent. Ouais. Alors, Kratel, toi, tu te dis que potentiellement, ce manuscrit associé à l'emplacement des actes de propriété, tout ça, associé également peut-être au témoignage des marchands eux-mêmes, pourrait constituer suffisamment de preuves pour amener la milice à s'occuper du cas Modric. Donc faudrait qu'on convainc les deux nains, typiquement, ou les d'autres, à dénoncer le fait à témoigner. Ouais. Disons que ce manuscrit te permet de prouver légalement qu'il y a des pressions, que les sommes qui sont versées ne sont pas celles qui auraient dû, et voilà. Potentiellement du chantage. Ça me paraît tellement risqué de... On sait même pas où est Angus Varro, en plus, là. Et il peut être rentré, pour l'instant, vous ne savez pas. Ouais, on va peut-être pouvoir les renseigner. En fait, là, je dirais qu'on a trois options, trois grosses options, avec peut-être quelques options supplémentaires, mais ce que je vois comme possibilité, c'est d'une, effectivement, tant pis pour la réputation, etc., on est dans un autre couleuvre trop dense et trop dangereux, on se casse. Parce qu'au final, on a déjà fait un profit, on a excédé l'objectif de départ. Alors certes, il y a un coût, mais on pourra toujours essayer de s'en dépêtrer plus tard. Deux, on va voir les abeilles de Jureika et on voit avec elles quelles sont leurs ambitions et effectivement si on peut les aider à faire tomber les colporteurs par leurs moyens plutôt que celui-là. Ou alors, on essaie de voir si Angus Varro est de retour et on essaie de voir avec lui s'il pense jouable de jouer sur ces trucs-là avec notre témoignage, le livre de compte, plus une éventuelle, je sais pas, un raid dans le tunnel. Mais honnêtement, ça me paraît tellement risqué. Enfin, ouais, tu penses qu'il nous posera des questions sur là où on a eu les infos ? Bah ouais, évidemment. Puis, enfin, on n'a rien fait de façon légale là. Ouais, ouais. J'avoue que moi, je me sens à l'aise avec ce qu'on a fait parce que, bah, de toute évidence, on a porté un coup forcément à Modric avec ce qu'on a fait et il fait rien de légal. Donc, bon. On n'a pas fait ça de façon très propre, mais on a agi comme on pouvait, puis on a eu de la chance. Je pense qu'on est vraiment tombé dans un créneau horaire où on pouvait aller dans le tunnel de façon relativement discrète. Ouais, et ouais, mais derrière, si on s'implique plus, est-ce qu'on prend pas des risques monstrueux aussi, quoi ? Bah si, c'est une grosse affaire. En gros, faudrait limite donner les preuves à la milice anonymement. C'est ça, mais après, il saura que c'est nous, enfin, c'est obligé. On lui en a parlé la veille, etc. On lui a parlé de nos objectifs, de ce qu'on avait envie de faire. Il était là quand Yurik nous a filé les infos sur les abeilles aussi. Les abeilles, finalement,
Moi, le seul truc qui me fait un peu défaut, c'est que je sais pas quel est leur pouvoir réellement. Si on leur donne le livre, est-ce qu'ils vont vraiment avoir ce qu'il faut? Enfin, est-ce que ça va leur servir, en fait, d'une certaine façon? Parce que comme ils sont pas légaux, eux non plus, ou elles non plus, ils vont pas... En fait, ils vont pas vraiment pouvoir s'en servir pour faire des... pour porter ça en justice, quoi. Parce que de toute façon, ils ont aucun intérêt à se dévoiler non plus. Donc ouais. En fait, le livre, ça va juste montrer des choses qu'ils savent plus ou moins déjà. Ouais. Et puis leur objectif, rien... c'est juste de vivoter sur le dos des colporteurs. Je veux dire, quand tu vas aller en... Bah ça, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi leur objectif. Si quand tu vas en dégager 15 ans comme Yurik, quand tu vas chercher des gamins comme Yurik pour t'en servir et aller cambrioler des entrepôts... Bah c'est pas Jojo, oui, mais bon. C'est franchement, là, j'avoue que moi, je suis dans une situation très compliquée, là. Je sais pas trop, parce que à la fois, on manque de clairs objectifs, de moyens pour les réaliser et de vision sur ce qui se passe. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on a à la fois joué de chance et de malchance, dans le sens où on a réussi à faire un coup complètement fumeux, un peu n'importe comment, et sans prendre trop de risques. Enfin, je veux dire, on a quand même récupéré un... masse de thunes complètement ridicule, en étant a priori quasiment invisible, et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait, quand quoi. Quand tu dis on, tu t'inclus pas. Bah... Dans le invisible. Ouais, bon, ah. Ouais, pour la sortie, peut-être pas, mais non, mais tout le reste, c'était pas mal. C'est façon de parler. A priori, il aura oublié demain qui on était, hein. On est juste un groupe de gens bizarres qui sont sortis d'une porte à côté de lui. Mais... Non, j'avoue que moi, je suis dans une situation très compliquée, là. Parce que je me dis, enfin, j'ai toujours tendance à laisser le flow faire les choses, donc si on laisse le grand flux cosmique nous porter, où est-ce qu'il nous emmène? Je sais pas. Non, je pense que notre seule option, c'est quand même de partir avec la milice, de révéler ce qu'on a trouvé à la milice, ou alors, mais ça, c'est si on veut pas se faire voir, on file le bouquin aux deux nains, et c'est eux qui vont dénoncer à la milice tout ce qui se passe. Oh, c'est chaud. Et après, c'est deux nains, donc c'est des fortes têtes, d'ailleurs c'est marqué dedans. Je pense qu'ils ont les balls pour le faire et pas qu'il y ait... Et puis tu te souviens, ils sont concernés de ouf, vu que c'est un peu leur vie là, qui est en train d'être mis, qui est un peu en péril, en plus de leur commerce. Je pense que... Alors je sais plus, mais ils avaient dû me dire, ça faisait un certain temps déjà hein, qu'ils étaient implémentés dans la ville, 10-15 ans. Je sais pas si tu te souviens le détail, Goldie. Les deux nains, ça fait même plus que ça. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans la ville. C'était ça, je me rappelle, ça faisait un sacré bout de temps. Donc on peut aussi se dire qu'ils y tiennent, à la ville, mine de rien. Ils commencent à... Peut-être que... De fait de voir tous les commerces se faire racheter petit à petit par Modric, ils l'ont gros. D'ailleurs, très clairement, ils sont pas d'accord avec ça, vu qu'ils refusent aussi, eux, de se faire racheter. Donc je pense que... Bah, j'en avais pas parlé avec eux à l'époque, mais à mon avis, je pense pas qu'ils seraient réfractaires à l'idée. Et en même temps, je me dis que j'aurais confiance en eux pour pas non plus qu'ils nous vendent comme étant la source du bouquin. Ça se tient. Genre ils pourraient dire c'est un don anonyme qu'on a reçu chez nous un matin, qu'on a retrouvé et voilà je viens dénoncer tout ça à la milice. C'est comme ça on n'est pas trop trempé dedans, quoi. Il y a juste les deux nains, mais en qui je dirais c'est ceux avec qui j'aurais le plus confiance, moi, sur la ville. Le chef de la milice, de toute façon, c'est ton pote, donc même s'il se doute un petit peu que ça peut venir de nous, vu tout le bazar qu'on aura remis en ordre dans la ville, il va pas nous en tenir plus rigueur. Oui, mais celui, ça va le couvrir aussi, le chef de la milice, parce que de son côté, il aura pas trop à mentir. Il aura pas, ce sera plus simple pour lui de dire que c'est deux commerçants qui sont venus lui faire cette réclamation et qu'il y a une grosse affaire, que de dire que c'est quatre aventuriers, dont mon pote, qui sont venus me donner tout ça et on sait pas trop comment. D'autant plus que on sait avec le livre de compte qu'il est pas mouillé avec les colporteurs, donc il est clean, a priori. Voilà. Ce dont on avait pu avoir une raison de douter un moment, mais plus maintenant. Donc, je pense que, du coup, les nains, c'est la meilleure option, en fait. Ça nous fait un entre-deux correct. Et derrière, on peut peut-être, aller voir les abeilles de Jurika pour boucler aussi sur Miklos. Parce que, mine de rien, une fois, on a besoin que... Pourquoi ? Pour savoir ce qu'il est devenu pour, Non, parce que pour que la réputation soit préservée, tout bêtement. Et puis, le truc, c'est que si on cesse... parce que là, mine de rien, on a cette quête-là qui est censée nous rapporter. Pour le coup, le fait qu'on ait piqué de l'argent à Modric, personne n'est censé le savoir. Ça, il faut absolument qu'on le garde pour nous, par contre. Ah bah oui, on a juste pas... On se mette pas à balancer du pognon un peu partout en se disant... Enfin, en donnant qu'on a d'un coup plein de pognon, donc... Le truc, il faut aussi qu'on aille au bout de l'affaire avec Miklos, d'une, pour que ma réputation soit sauve et qu'on puisse retourner avec Nazis tranquille.
Donc je pense que du coup, pour tout boucler et être propre et rester, on va dire, dans une situation correcte, je pense que la meilleure solution, c'est effectivement passer voir les nains, leur exposer le minimum de la situation. On leur dit pas comment on a trouvé le livre de compte, on leur donne, on leur explique le truc, et après ils se débrouillent. On va voir Angus Varro pour lui donner pareil le minimum de la situation, ou peut-être même on peut se permettre de l'esquiver, vu qu'il comprendra quand le livre de compte arrive. C'est ce que je me dis, hein. De toute façon les deux nains ils vont bien lui expliquer la situation sans trop en dire normalement, et puis ça devrait suffire. Et puis derrière on va voir les abeilles, on essaie juste de voir si, vu que c'est eux qui ont volé la... enfin elles, qui ont volé la griffe, on voit si elles l'ont. C'est une corne, hein, pas une griffe. Une corne, pardon, oui. On voit si elles ont la corne. J'ai oublié cette histoire avec la corne, c'était quoi déjà ? C'est Miklos, donc un marchand d'antiquité spécifique qui avait monté une expédition et qui s'est fait voler la corne d'or. Oui, c'était ça. Et c'était les fameux 10 PO. C'est ça. Et le truc, c'est que... La récompense de 10 PO. On peut très bien, là, pour le coup, garder ça entre les abeilles et nous. On leur file un peu de... Enfin, on leur paye la corne... une certaine valeur, je sais pas quelle valeur elle avait, on refile ça à Miklos en mode on garde nos secrets parce qu'on est trop fort comme enquêteur, il nous file les 10 pièces d'or, on fait un peu de perte sur juste sur cette transaction là, mais au final on s'y retrouve quoi. Complètement, oui. Et derrière voilà, on boucle tout, on reste propre à Ignazis, on est à peu près transparent, a priori Modric devrait pas comprendre que c'est nous, ou alors s'il le fait mais une fois c'est on est quand même assez là-dessus. Donc je pense que si on fait ça assez vite, on va voir les nains aujourd'hui, on enchaîne sur les abeilles dans la soirée et puis on voit ce que ça donne. Ok. Le bouquin, on leur donne tout de suite ou on l'enterre dans la forêt là, le temps de voir s'ils sont ok ou pas. Le plus vite on agit, mieux ce sera, je pense. Ok, du coup, vous repartez en direction des nains, c'est ça ? Ouais. Ok. Il est quelle heure là ? Ils sont d'accord parce que... Même s'ils essayent de faire quelque chose. Là, il est à peu près 4h de l'après-midi, quoi, on va dire. Tu disais, Mayal ? Je dis, on peut emmener le livre direct, de toute façon, ils sont deux, on est quatre, donc on risque pas. Et puis, il n'y a pas de raison qu'ils nous envahissent, On leur rend pas. Non, on va d'abord leur parler du truc avant de lui foutre le nez, le bouquin. On laisse elle ne pas se parler, et puis ça devrait bien se passer, je pense. Ouais, alors, disons, admettons qu'on ait une preuve que. Qu'est-ce que vous feriez ? Ouais, on va tenter le coup comme ça, je pense. C'est notre meilleur plan. Si ça va pour toi, Milk. Eh ben, go alors. Go. Parfait. Du coup, vous approchez, donc vous retraversez au niveau de la ville, donc la rue du Bric et du Brac notamment, et vous rapprochez de l'atelier de forge, donc de Barim et Umbael. Vous entendez d'ailleurs Barim qui travaille derrière avec le bruit de la forge. Vous entrez et vous voyez Umbael qui vous accueille avec bienveillance. Bienvenue, entrez. Vous venez acheter... eh bien, revoici notre frère nain. Comment allez-vous ? Bien le bonjour. Je suis de retour, en effet. Je suis bien, bien content de vous retrouver. Vous avez toujours la fameuse bière naine dont nous avions échangé quelques godets la dernière fois. Je commence les affaires toujours comme ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Bien sûr. Installez-vous, on va vous servir ça. Très bien. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse parler, mais peut-être plus en privé, si vous aviez peut-être une table dans le fond ou un endroit un peu plus discret, si c'est possible. Oui, venez, suivez-moi. Elle est un peu intriguée quand même, elle vous dit de la suivre, donc elle ouvre elle tire un petit rideau, elle vous invite à rentrer. Elle referme derrière elle, ça a l'air d'être la pièce un peu de stockage. Ouais, d'accord. Des objets de la forge, vous dit oui, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce serait peut-être mieux que vous soyez là avec votre mari également, pour qu'on puisse échanger et qu'on soit un peu tous au même niveau d'information. C'est... Vous allez comprendre, cela vous concerne tous les deux. Vous m'inquiétez, je vais appeler Barim. Barim, viens ici mon chéri. Oui, nous allons... C'est marrant cet accent. Oui, j'ai un problème avec un client. Attends, ils viennent du même endroit que moi, du coup faut que je parle comme ça aussi. Ils râlent un peu, non mais il y a différents, suivant le degré de profondeur d'où ils sont originaires, ils ont plus ou moins les accents, les R qui roulent. Crévin, nom de Dieu. Et du coup, il râle un peu, il pose son marteau, clin, et puis qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais oui, on le connaît lui, bonjour.
Bonjour, je vois que vous êtes en forme. Avec, ah, oui. Je le vois avec les muscles bien saillants, le marteau qu'il vient de poser et tout. On sent qu'il était à la tâche juste. Il est luisant. Voilà, comme tout nain devrait être. Bon. Je suis pas sûr de vouloir être dans un espace clos avec lui. Ensuite. Ah, oui, non, non, mais moi je reste dans, à chaque fois dans l'ambiance un peu des forges et tout, ça me rappelle des souvenirs. Pouvez-vous faire vite parce que j'ai du travail. Ce que je vais vous dire n'est pas forcément simple à entendre et je préférerais que cette conversation reste entre nous. Mais nous avons appris que il y avait du chantage fait de la part de Modric sur les boutiques de la ville, sur les différents commerces de la ville. Et il a été porté également à mon attention que vous faisiez partie de ceux qui résistent face à ce chantage honteux. J'aurais peut-être des éléments à vous communiquer pour aider sur cette sombre affaire et empêcher Modric de mener à bien ses plans et d'avoir la main mise sur l'ensemble de la ville. Il vous a parlé de ça ? Je ne peux pas dire mes sources. Je peux seulement vous dire qu'elles sont sûres. Vous pouvez pas nous dire d'où vous tenez vos informations. Je sors le livre à ce moment-là. Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un livre de contes tenu par Modric sur les différents méfaits et rachats honteux qu'il fait sur la ville depuis des années. Je peux voir. On va lui montrer, hein, oui. Il commence à le prendre, il commence à feuilleter un peu dedans. Inquiétant. Cela explique parfois le changement de comportement de certains de mes collègues. Je lui montre la ligne qui parle de son commerce. Forte tête. Je sais pas à quel point. Bon, oui, nous avons eu quelques visites de courtoisie de la part de Modric et ses sbires. Bref, c'est bien intéressant tout ça, mais effectivement, je vois que, en plus, il a l'air de nous cibler pour une action prochainement. Oui, je suis au regret de vous dire que je m'inquiète pour, et pour votre commerce, mais également pour vos vies. Tu le vois qui... Il se tourne vers un mur et qui décroche en fait un espèce de gros marteau de guerre qui va accrocher à sa ceinture. Bon, vous attendez quoi de notre part ? Je vais être franc. J'aurais besoin que vous mettiez en contact avec la milice de la ville, avec les preuves contenues dans ce livre, afin de démanteler tout ce réseau que Modric tient d'une main de fer et rendre la liberté à tous les commerces et pauvres artisans qui ont été rachetés à des prix honteux sur les dernières années. Il me semble que vous êtes installé déjà depuis une quarantaine d'années sur la ville, donc vous avez sûrement effectivement pu constater des changements autour de vous. Oui. Tout à fait. Je pense qu'il serait temps de mettre fin à ça. Et vous pensez que ces pleutres de la milice feront quelque chose ? Nous avons un bon contact chez eux qui serait de bonne foi et qui saurait agir en bonne intelligence dans cette affaire. Qui dois-je demander ? Angus Varro. Bien. Chef de milice. Oui. Déjà entendu parler de lui. Si vous dites que vous venez de ma part, ça peut aider aussi. Le but, c'est pas de leur dire, justement, non ? Ouais, je sais pas. C'est nous. Non, mais il le saura, de toute façon. On va dire que s'il demande, il peut dire ton nom, mais vraiment pas plus, quoi. Voilà, disons que je peux être un sésame intéressant. Et vous êtes ? Kratelozom, enquêteur indépendant. Enchanté. Eh bien... Dans ce cas, nous allons faire ça. Je ne sais encore s'il est... Oui. On peut peut-être lui fournir un plan succinct d'accès à la pièce contenant le coffre et les parchemins et les cessions de propriété. Ah, d'accord. Est-ce qu'il faut vraiment ? Parce que là, ça montre très clairement qu'on a fait tout le domaine, quoi. Juste à montrer ce truc-là. On n'a même pas apprécié. Enfin, de toute manière... D'accord. Oui, t'as raison. Non, on peut juste donner un plan et pas dire l'origine, ouais. Oui, et puis c'est la concomitance entre les parchemins de session et le livre de compte qui prouve qu'il y a un truc qui va pas. Juste le livre de compte, ça montre que le mec, il a des comptes avec des gens.
y a pas de... C'est ça, s'ils veulent enquêter un peu plus, effectivement, ils peuvent faire une perquisition et aller fouiller justement dans le... Et en donnant l'accès par la porte en dessous du pont, et non pas par la maison de Modric ou l'entrepôt, on dit juste, il y a un accès sous le pont, ça mène à telle pièce, on occupe tout le reste. La seule personne qui peut nous vendre, c'est le mendiant. Ça me semble risqué tout ça. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de risque, vous nous demandez de le faire, et nous, nous attirons tous les risques. Bah, c'est surtout qu'il en va de votre survie, et de votre commerce, et de vos personnes, finalement. Et nous ne souhaitons pas paraître publiquement dans cette affaire, pour des raisons qui nous sont propres. Mais je sais que ce serait que ces documents sont à votre avantage et sont des preuves suffisamment fortes pour faire bouger la milice et essayer de démonter toute cette affaire avec Modric. Peut-être devrions-nous pendant quelque temps éviter d'aller à la brasserie et rester à la boutique qui est en plein centre-ville. Oui, ils vous attaqueront pas en dehors de la ville. En plein centre-ville, justement, parce qu'il y a trop de démons potentiels. Et la brasserie est un peu trop isolée, au milieu de nulle part. C'est trop dangereux. Oui. D'ailleurs, si vous y avez entreposé des richesses ou autres, peut-être serait-il mieux de les cacher ailleurs. Je pense que si nous allons maintenant à la milice, nous ne retournons pas à la brasserie avant que tout ceci ne se soit calmé. Bon, eh bien, dans ce cas, Umbel, tu restes à gérer la boutique. Je vais aller voir Varo. Et il raccroche son tablier. Il prend une espèce de veste de cuir. Il boutonne jusqu'en haut. Son marteau bien sur le côté. Et il enfile des bracelets aussi en cuir. Et bien dans ce cas, à moi de faire mon devoir. Et il part en direction de la milice. Bon, bon, avec le bouquin. Avec le bouquin et le plan que vous lui aviez donné. Bon bah nous direction les abeilles du coup. On boit pas un verre avec une belle. Si tu veux. Elle n'a pas l'air d'être vraiment d'humeur à boire un verre. Ouais, on va pas jamais, l'abandonner si comme ça alors qu'elle vient servi. D'apprendre tout ça. Il fallait pas partir sans avoir fini son verre. Mais... Là, pour l'instant, elle a juste l'air d'être un peu inquiète pour son mari. Bah, on peut peut-être justement se poser une heure ou deux le temps que son mari est pas là, justement, histoire de la rassurer, non? Pas sûr qu'on soit d'un grand secours de ce point de vue-là. Hein. Mm. Je pense que le plus tôt on aide les abeilles à contre-attaquer, le plus on fout la merde dans le plan des colporteurs et le plus tôt on est tranquille. Donc les abeilles. On va aller aux abeilles en plein jour. Ouais, c'est ça, en plein jour c'est un peu chaud. Mais comment ça? Il est 16h là. 16-17h du coup. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, du coup, oui. Là on est. Merde, je me souviens plus. Été ou hiver on est? Été. Été. Ah oui, donc c'est en plus assez tard que ça tombe le jour. Tout à fait. Ouais, donc oui, vous avez raison. Bah oui, du coup, oui, on va attendre. Hein. Autant attendre ici d'ailleurs. Quoique, est-ce qu'on attend ici ou pas en fait? Ouais, faut peut-être retourner au Bourdon Cogneur parce que ce sera moins suspect, on va dire. Parce que imaginons, s'il y a une taupe à la milice, qu'elle entend parler donc de cette affaire en direct, elle va peut-être direct prévenir des gens pour qu'ils fassent une descente au niveau du magasin, au niveau de la forge. Donc je dirais, vaut mieux bouger et retourner au moins au Bourdon Cogneur où on n'est pas spécialement très connu. Et c'est un peu isolé en plus du reste de la ville. Ouais. Histoire de laisser Umbel toute seule si elle se fait attaquer. Quoi. Ouais, voilà. C'est une naine, elle sera assez forte. En plein jour, ils l'attaqueront pas, mais c'est plus qu'ils nous trouvent pas avec elle, quoi. Parce qu'en plein jour, ils vont juste constater qu'elle est là, mais qu'elle a rien, dans son magasin. Il y a rien, il y a aucune preuve qu'il est parti avec elle. Attaquer en plein jour et surtout à un endroit aussi fréquenté que celui-là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des clients, des magasins. C'est une place de commerce. Non, je pense que c'est surtout, faut pas qu'on nous y voit. C'est plus ça. Ouais. Ok. Je vais juste personnellement faire un détour, mais sans. Juste 2 minutes le temps de faire de la monnaie sur des pièces d'or, parce que. Pas dans un distributeur d'abord. Non, juste genre faire de la monnaie sur 2 pièces d'or histoire d'avoir. Ok. Genre. Tu veux pas qu'on fasse ça au bar? Genre tu payes une tournée de je sais pas quoi et puis tu te fais la monnaie comme ça. Ça peut être une idée aussi, oui, effectivement, mais. J'espère qu'il n'y a pas de numéro de série sur les pièces. Le tout, c'est je veux juste pas qu'on traîne dans le coin, tout ça. Oui, oui. Oui, c'est juste que je me disais faire de la monnaie sur une pièce d'or dans une boutique quelconque et puis en refaire dans une autre, c'est histoire de disperser un petit peu et d'avoir au moins de la. Parce que là, j'ai que des pièces d'or sur moi, en fait. Donc c'est. Bon, on va au bric-à-brac. Il fallait qu'on achète des outils de cambrioleur. Ah oui, mes outils.
Ah bah voilà, nickel. Fais ça. Alors. Ok. Oui, j'ai cassé les pierres récemment. Vous trouvez un bric-à-brac boutique qui a l'air d'être un petit peu louche, où il semble avoir des outils de voleurs notamment. Ouais. Vous ne savez pas exactement si c'est pas un endroit de recel. Enfin voilà, mais. Ouais. Bah, on va peut-être éviter de tous y rentrer en même temps. C'est l'allée des embrumes. Juste toi et moi, du coup. Ouais, allez. Et donc, du coup, vous voyez devant vous un demi-elfe qui est le vendeur. Oh, c'est grand ça, les demi-elfes. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? J'aurais besoin d'acheter des outils. Est-ce que je peux lui dire directement que c'est des outils de cambrioleur ou pas? Vous voyez, j'ai ma serrure chez moi qui résiste assez régulièrement et... Bien sûr, je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. Ce petit kit de dépannage en cas de serrure un peu récalcitrante chez vous, évidemment, hein, que je peux vous vendre. Oh, j'ai mis des serrures à toutes les portes en plus, qu'est-ce qui m'a pris, je sais pas. Ah là là, c'est fort malheureux, effectivement, hein. Ce genre de choses arrivent à tout le monde, hein, voilà. Je me sentir en sécurité. Là, je me retourne un peu vers Kratel, je lui dis, tu crois qu'il faut que j'en prenne combien au cas où? Je dirais 3. Un petit paquet de 10. Le kit est à 3 pièces d'or, mais après, si cela vous... Enfin, si vous voulez passer sur du matériel de meilleure qualité, qui tiendra assurément plus longtemps selon votre utilisation, je peux vous orienter vers ce kit qui est fait dans un métal plus solide et qui vaut la modique somme de 10 pièces d'or. Ah, et donc, il ne cède pas facilement, voire pas du tout. C'est un bon investissement, hein, je pense. Ouais. Disons que la tâche sera plus aisée pour vous. Il n'y a pas besoin de niveau pour maîtriser ces outils, non? Qui coûtent plus cher. Non, il n'y a pas, non. Bon, je vais prendre ceux qui coûtent plus cher. Ok. Puis je me demande si je vais pas en prendre un kit un peu moins solide quand même, au cas où en dépannage. Ouais, je pense que si c'est... Si j'arrive à casser quand même l'autre, on sait jamais. Ouais. On n'est jamais trop prudent. Ok, allez. Ça marche. Moins 13. Donc, 13 pièces d'or. Eh bien, merci à vous, merci beaucoup. Puis-je vous être utile à autre chose? Non, est-ce qu'il peut nous être utile? Est-ce qu'il y a moyen de me faire de la monnaie sur 2 pièces d'or, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon ami. Sur 2 pièces d'or, vous les voulez en pièces d'argent ou en pièces de cuivre? On va dire 10 pièces d'argent et 200 pièces de cuivre. Et 100 pièces de cuivre, pardon. Très bien, très très bien. Alors, 1, 2, 3. Ok, donc les 10 pièces d'argent, c'est là, toc. Et les pièces de cuivre, alors, 100 pièces de cuivre, ça doit peser tant. Hop, voilà, très bien, tenez. Merci beaucoup, un plaisir de faire affaire. Avec plaisir, revenez quand vous le voulez. Ma boutique vous sera toujours ouverte. Formidable. Bah maintenant qu'on a les outils. Je me demande si je vais pas les incruster avec des petites pierres qu'on a trouvées, faire des beaux outils. Ok, bon, du coup, nickel. Vous avez récupéré les outils. Parfait. La direction le Bourdon Cogneur, là. Hein. Vous prenez la direction du Bourdon Cogneur et y arrivez assez rapidement. Alors, c'est encore assez tôt. Donc, pour l'instant, l'ambiance est assez calme au Bourdon Cogneur. Hein, à savoir qu'il y a assez peu d'agitation. Les gens sont présents. Alors, les ménestrels sont en train de s'installer pour le soir. Le chevalier n'est plus là. C'est vraiment très calme. Pour l'instant, vous êtes arrivé là-bas. Et le tavernier, vous voyant arriver, vous dit « Oh, eh bien, dis donc, vous devenez des habitués, dites-moi eh. !» L'ambiance est bonne et on se nourrit c'est bien. Bon pour nous, ça, on se fait repérer, là. Mais non, mais justement, ils vont dire « Oh, ils passent leur temps à la taverne, ceux-là. » Ouais, c'est... c'est bien, en même temps, hein, on nous... Voilà, on soupçonnera pas. Installez-vous confortablement, que puis-je vous servir? Et il, en passant à côté de Kratel, en fait, il glisse sous ton bras un petit message. Ah, oh. Je vous laisse réfléchir à ce que vous souhaitez commander, je reviens dans un instant. Ça marche. Je vais lire le message de façon discrète, espérons-le. Oui. Ok. Bon, il n'y a pas grand monde dans la taverne, donc ça va. Ok, je le lis pas à voix, tu nous le fais passer. Bah, je le lis. Vas-y, alors en fait, c'est une petite missive de la part de Varro, qui a
souhaité apparemment vous contacter le plus discrètement possible. Il vous informe... Comment il a pu savoir qu'on irait au Bourdon Cogneur? C'est lui qui nous l'avait conseillé. Oui, mais on y est déjà allé deux fois, qu'on y retournerait. Oui, il savait que vous y alliez. Voilà. Après, il savait pas si vous alliez y retourner ou pas, mais voilà. Le message dit qu'il a, a livré le colis dans un endroit sûr. Ah, c'est Yorick. Et qu'il a reçu une visite de courtoisie cet après-midi, qu'il aurait préféré esquiver une obligation plutôt désobligeante, et qu'il vous conseille de rester là où vous êtes, au calme, et de vous faire un peu oublier. Est-ce que cette visite, ça peut être le nain? Ah non, je pense que c'est Modric. Je pense plutôt oui, que c'est ça, oui. Le nain, là, ce serait trop tôt, là. Le nain, il était parti, mais vous êtes parti entre-temps, voilà. Oui, oui, il a pas le temps que le message arrive, de toute façon. Ça peut pas être celui-là. Il nous a pas vite quitté la ville pour autant, donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on attende, et puis on va voir les abeilles ce soir, et puis... Ça veut dire que là, il a déjà un élément lui disant que Modric est dangereux, et quand le nain, il va arriver le voir, et il va lui donner des preuves supplémentaires pour que la milice puisse agir. Du coup, il n'y aura plus aucun doute de la culpabilité de Modric. C'est bien, ça. Ça joue pour nous. Plusieurs choses, est-ce qu'on n'irait pas se reposer? Je sais pas si c'est risqué ou pas de rester au Bourdon Cogneur, mais de se reposer avant 19-20h. Voilà, on se nourrit, le spédard. Prenons le dîner maintenant. C'est quoi le plat du jour? Alors, le plat du jour, pour changer, nous sommes sur un plat sans viande, voyez-vous, sans poisson également. C'est une petite soupe froide, voilà, légèrement épicée, avec des tomates, quelques herbes, voilà. Oh bah je vais prendre ça moi. Très bien, et d'une? Je vais en prendre deux même. Deux? J'ai très faim. Eh bien, vous avez un bon appétit aujourd'hui. J'ai moi aussi une soupe. D'accord, très bien, et de deux? Avec des cuillères. Oui, bien sûr. Pour vous autres... Vous avez rien de plus consistant? Ah, de plus consistant, si... Ah, c'est le plat du jour. Peut trouver à vous faire un petit steak avec si ça vous chante. Ça me chante très bien, oui. D'accord, très bien. Et si vous pouviez mettre ça avec un bout de pain, ce serait parfait. Avec un bout de pain, très bien. Le pain évidemment vient avec la soupe, hein, y a pas de souci. Et vous, monsieur? Une soupe et un lait de chèvre sera très bien, merci. D'accord, une soupe et un lait de chèvre. Au bout d'un moment, vous êtes servi et comme la dernière fois, on va lancer un petit dé d'improvisation pour que l'un d'entre vous raconte une histoire. Eh bien, c'est Mayal. Je crois que j'ai une déconnexion. Avoir... Trop facile. Non, non. C'est à Mayal d'improviser. Une petite histoire sur toi que t'as envie de raconter, voilà. N'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Alors, quand j'étais petite, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, du coup j'habitais dans la forêt avec mes parents et toute la famille alphelin. Et je me sentais un peu seule parce que moi j'avais pas de frères et sœurs du coup. Et je savais que depuis toute petite je voulais être rôdeur. Donc je m'étais construit un petit animal du coup avec ce que j'avais trouvé, des pommes de pin, des branches, de la laine de mouton et tout. Et du coup je l'emmenais partout avec moi, j'essayais de le dresser, j'organisais même des spectacles pour mes parents et toute la famille. Sauf qu'ils se moquaient un peu de moi parce que pour eux ça paraissait ridicule, mais moi j'étais un enfant donc ça me faisait bien rire. Et je dormais même avec, je lui avais donné un petit nom. Il s'appelait Picotin. Parce qu'il piquait. Oui, parce que. Ouais, bah voilà, il ressemblait un peu à un hérisson, mais en forme de pomme de pin. Et oui, c'est pas commun d'avoir un hérisson comme monture pour un alphelin. Mais comme on est petit, du coup, ça fait des gros hérissons. Et du coup, je pense que si un jour j'arrive à dresser un autre animal, j'espère que ça sera pas un hérisson, parce que bon, c'est pas très agressif pour combattre. Mais peut-être que je l'appellerai Picotin aussi, en souvenir de mon petit Picotin. Et qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs? Alors, il s'est lamentablement noyé quand j'ai essayé de lui apprendre à nager. Le pauvre. Il n'a pas su flotter. Parce que... Oui, non, il n'a pas su flotter, non. Parce que la laine, du coup, ça prend facilement l'eau et ça coule, en fait. Et ça, je le savais pas. Du coup, après, il y a eu Picotin 2. Le retour. La relève. Il y a eu Picotin 2, mais ça, je crois que mes parents l'aimaient tellement que quand ils ont dû partir, ils l'ont emmené avec eux. Ils ont préféré le prendre lui plutôt que moi. Ah, la tragédie. Ah, ça pique. Ouais, il était beaucoup plus réussi, du coup. Bah, il passait mieux dans le sac, parce que bon... Que toi. Voilà. Ok, merci pour cette petite improvisation. Donc, nous avons découvert... Je suis sûr que Picotin se serait très bien entendu avec Monsieur Sneaky.
Nous avons découvert l'histoire de Picotin, donc petit ami imaginaire en forme de hérisson de Mayal. Ah, mais et il était bien réel, hein, il était fait de bois et de laine. Oui, oui. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu un magnifique porc-épic, hein, qui sait. Je pense à Pinocchio, tout ça. Et sur ce, donc, vous finissez de manger.